Salut les filles! Bon, à votre tour, j'ai travaillé sur une petite barre assez simple, quelque chose où on n'a pas forcément be besoin de beaucoup d'espace, parce que de toute façon, moi j'en ai pas beaucoup à la maison, qui peut être travaillé un peu par tout le monde, mais qui est quand même assez simple, basique, comme ça permet de revoir des choses en profondeur. C'est vraiment vous et votre corps et vos sensations qui vont être importantes. Donc le premier exercice, c'est une petite mise en route. La seule chose dont je voulais parler avant de vous montrer l'exercice, c'était du coup ces contractions qu'on va avoir avec les pieds bien ancrés dans le sol pour pouvoir chercher l'allongement. Et ensuite, on ne tasse pas, on va chercher loin. On pousse le nombril au maximum devant. On est bien arrondi. Par-dessus le tonneau, oui, il ne faut pas aller trop bas, au contraire, il faut laisser le bassin dans l'axe, il ne doit pas bouger, le bassin reste dans l'axe, c'est le nombril qui vient se coller sur la colonne et le dos qui s'arrondit au-dessus. Voilà, maintenant vous savez tout, on peut faire ensemble, c'est parti. C'est parti. On commence en enroulant, relâche bien, parallèle. Va chercher à droite, lent. Même chose à gauche. Derrière qui monte, contracte devant, bras en haut, relâche, on recommence tout, enroule, puis Donc, deuxième exercice, on va faire des pliés, demi et grand plié. Donc, attention à ce que les talons
soit bien ancrée au sol dans les demi-pliés. Ouais, on va au maximum de ce qu'on peut en enfonçant bien les talons au sol. Et le grand plié, c'est donc la suite logique. Maximum, je suis obligée de soulever, je garde le dos droit, je ne m'assois pas, je repose les talons dès que possible et je remonte. Voilà, vous savez tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, dans la quatrième, peu importe le côté, attention, les épaules doivent être alignées avec les hanches et le genou. Ouais, on ne penche pas, surtout quand il y a les bras, on a tendance à pencher, on ramène, direction, et ok. Allez, on est parti alors. Attention, le départ, il est un petit peu rude. Première et... N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Puis demi-point, le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Encore. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Puis demi-point, et si l'envie, parfois, je me sens deuxième partie, obligé. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué grand. D'être heureux. Le spleen n'est plus que à la mode, possible. C'est pas compliqué. Troisième partie. Tout, il faudra tout oublier. Restez. Il faudrait tout, tout oublier. On repart. Bonjour. Même chose. Mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. Le si je le veux, je l'aurai. Et encore on commence du début. Pli, tant, n'existe pas sans son contraire. Pli, je n'ose plein de sentiments. Puis, demi-point inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sommes. Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Encore même chose. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. Une deuxième partie, qu'on m'entend. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me rend juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. On finit. Dans mes yeux, que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé, oublie qu'il t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Bonjour, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Troisième exercice, exercice des dégagés. Du coup, quelques indications avant, pareil. Ne forcez pas votre en dehors. N'allez pas chercher trop loin. Petit en dehors. Et le côté, c'est donc la direction des orteils, pas plus. Ouais, chacun son en dehors, on n'a pas le même. Devant, c'est devant le nez. Côté, c'est la direction des orteils quand on est en dehors. Et derrière, queue de cheval, chignon. Ok ? Donc j'ai profité, c'est un exercice assez simple pour la mémoire. Par contre, assez complexe parce que du coup, la chose qui est le plus difficile à aborder à chaque fois, c'est l'accent en dedans et en dehors. Et donc du coup, j'en ai profité. Vous aurez en croix et vous aurez sur le côté. Peu importe, c'est la même chose. Soit accent dehors, 1, 2, 3, 4. Soit accent à l'intérieur, 1, 2, 3, 4.
J'espère qu'en vidéo, vous réussirez à le voir au moins et que du coup, ça éveillera un petit peu quelque chose. À l'extérieur, on essaye de laisser le plus longtemps possible à l'extérieur, tac-tac, tac-tac, et à l'intérieur, inversement. Reste, et reste, et reste. Ok, on est parti pour l'exercice. On utilise le sol, le frotter, le repousser. Hop. Soit main sur les hanches, soit sur le côté. Non. Exercice, petit saut, on saute juste de quoi, si on est par terre, de quoi pointer les pieds, c'est tout ce qui m'intéresse. On va faire monter un petit peu le cardio et on fera des bras pour la récup. 4 à chaque fois, parallèle, en dehors, en seconde, ferme, en seconde, ferme, en seconde, ferme, en seconde, ferme. Spinning less circles in the bar, spin round in the bar.
J'espère que vous avez bu un petit coup, sinon c'est le moment de le faire. Prochain exercice, j'ai fait quelques isolations. En même temps, j'ai mis des flickball change dedans, je vais vous montrer parce qu'il y en a qui tournent, donc je vais vous montrer avant de faire l'exercice. Et bon, quand on n'a pas trop de place, les pirouettes c'est un petit peu difficile, mais du coup j'ai mis la position avec l'équilibre. Donc, les isolations, on le verra pendant, on essaye d'isoler le plus possible la partie qu'on travaille, c'est-à-dire ce sera soit la cage, soit le bassin. Et les flickball change, donc pour vous, je gagne quelques millimètres, hop, pour vous, ça fera, donc, jette, pose côté, 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 équilibre, la première fois, c'est tendu, coude, costaud, ok, c'est bien la vidéo, ça serait bien que vous vous filmiez, pour vérifier que vous ayez la position. Donc les deux premiers sont face, ensuite demi-tour, demi-tour, et les deux derniers donc face. Ça va faire 1, 2, je tourne, j'ai pas le choix, c'est ce pied qui jette, c'est celui qui me fait tourner, c'est ce pied qui jette, c'est celui donc là qui me fait tourner, et les deux derniers avant la position, qui essaye de tenir, pas comme moi. Ok, je refais. Donc vous, avec le pied droit, ça commencera comme ça, devant, devant, dos, devant, et on finit devant, devant, hop, là. Et on peut repartir l'autre pied, donc devant, devant, va dos, on revient tout de suite, devant, devant, et tiens. Ok ? Allez, alors je vous montre l'exercice. Je vais y arriver, je vais y arriver. Vous ne savez pas, mais c'est ma quatrième prise. Deux fois parce que le début, j'allais trop lentement. En fait, c'est plus rapide que ce que je pensais. Pourtant, c'est moi qui ai fait l'exercice. Et la fin, bah, parce que je ne pars pas du pied gauche. Donc, tant pis si je ne pars pas du pied gauche. Ça ne change pas grand-chose. Ok, vous m'en voudrez pas. Allez, c'est reparti. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Isolation de la cage. Allez, I'm crazy.
On se refait ou quoi? Non, parce que vous avez vu, j'ai loupé. Allez, on se refait une dernière fois, je promets ça. Je mets la musique un peu plus fort. Cette fois, je ne veux rien. Je vous propose un petit morceau que j'ai pas inventé là tout de suite, qui existait déjà, que j'ai inventé pour le spectacle, sur Sparkling Diamonds. Du coup, ça fait révision pour certaines, ça fait apprentissage pour d'autres. Il est assez sympathique, assez enjoué, et il y a les pas de base dedans. Donc par contre, sur ce tableau, il y en a qui sont à droite et il y en a qui sont à gauche. Donc là, je vais vous le montrer une fois. Je vais faire comme si, pour vous, celles qui sont à droite. Je sens que ça va être compliqué, parce qu'il va falloir tout que je fasse de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc, le début. Le début, imaginez, scène coupée en deux. Donc moi, je suis de ce côté, les autres sont, font la même chose. En miroir. Fesses 1, 2, 3, 4. On va au milieu. 1, 2, 3, 4. Je glisse et je prépare le genou vers le centre. Ce pied qui est demi-pointe, il ne fait pas carré, il croise. 1, 2, 2 fois, 5, 6. Il avance, ça me fait pivoter. Ça me fait pivoter. Je lâche. Et là, c'est fesses vers la droite, vers la gauche. Je retire droite. Tout le monde est ensemble. Hein. Donc là, tout le monde fait la même chose. Je retire droite. Je te retire gauche. Je prépare droite. Chasser sans bas, chasser sans bas, chasser sans bas. Je passe par derrière, je reviens. J'attends, tac, 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 et là, il y a pied droit en premier, pied gauche qui passe devant, ça tourne, présentation. Je continue le sens du tour, j'avance avec pied droit, présentation, je relâche, et là, il y a cercle sur jambe pliée, attention le genou, hop, tourne. Je fais la suite, pas de claquette qui fait une fois devant, une fois derrière. Deux fois devant, derrière, une fois devant, gauche, droite, tour. Et là, ça fait donc, j'ai l'impression que si je suis du bon côté, c'est bon, ça fait pied du public. 1, 2, 3, 4, 5, 5, ferme à 6, 7, 8. Oulala, en musique ça va être chaud, mais c'est ça. Allez, je nous mets la musique. Je refais la même chose et je ferai une fois de l'autre côté après. Ça démarre pas tout de suite. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it's my favorite job in your humble flats. Or help you feed your people. Men grow cold as girls grow old. And we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these marks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! Deux fois, deux, trois, quatre, cinq, ferme, chaque.
Oh, j'ai réussi. Allez, je fais une fois de l'autre côté au début. Je mets un peu plus fort. Ça nous met un peu la patate. On en a besoin. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you feed your pussycat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shaped, these rocks don't lose their shape. Material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Bon, ça sera déjà bien. Ce que je vous propose pour finir, c'est quelques petits étirements, un petit stretch et une petite relaxation, 5-10 minutes. Si vous avez un tapis, une petite serviette, prenez-le. Oula. Et n'oubliez pas de boire un petit coup. Hein. Allez, moi je mets la musique en vous attendant. J'espère que c'est pas trop fort. Tapez. Movies that we've both already seen. I ain't even looking at the screen. It's true. Got my eyes on you. And you say you're not worthy. You get hung up on your flaws. Well, in my eyes, you are perfect as you are. Try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I played you. That I will break your heart. I'll be there when you get lonely, lonely. Keep the secrets that you told me, told me. And your love is all you owe me. And I Sunday mornings we sleep until noon. Well, I could sleep forever next to you. Next to you. And we got places we both gotta be. There ain't nothing I would rather do than blow up all my plans for you. And you say that you're not worthy, and get hung up on your flaws. But in my eyes, you are perfect as you are, as you are. I will never try to change you, change you. I will always want the same you, same you. Swear on everything I prayed. On peut jouer sur l'endroit où se tient le bassin. Ouais. Hop, on peut aller un peu plus en avant. On peut jouer au centre, on peut aller un peu plus derrière. On peut jouer là-dessus. Et on revient tranquille. J'allonge les deux jambes devant. J'en passe une par-dessus. J'attrape avec les bras opposés, je vais regarder derrière. Et reviens. La jambe qui est devant, je la passe derrière.
90 degrés. De l'incestiming au vieux pour vous. Allez, faut faire la jambe, passe par dessus. Vous êtes toujours là? Accident. Ah, pardon. Hop, on fait la jambe. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu les filles. Un petit... C'est pas possible. J'arrive. Je disais, bon ben voilà. J'espère que ça vous aura plu, une petite séance tranquille à la maison.
J'espère qu'on se verra bientôt et que j'aurai pas besoin de faire d'autres séances en plus. Des bisous, à bientôt!